Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis Razika. Je suis devant la foire fouille de la Croix-Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois et on va aller faire un petit tour. Oula, accueil très sympa dites donc, avec tous ces morts vivants. Oh là là. Alors oui, je regarde la petite fille avec le cheval. Effectivement, elle est flippante. Merci. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo spéciale Halloween à la foire fouille. Bon, au moins, comme ça, vous aurez un petit aperçu. On en a même au plafond. Oh, il est flippant, celui-là. Le squelette, il a des têtes. Oh, wow. Oh, je suis obligée, je suis désolée. Oh là là. Oh. Mais il y a vraiment des décos que j'ai pas vues ailleurs, par exemple la momie, etc. J'ai pas encore vu dans d'autres enseignes. Allez, un petit peu de mobilier avec ces bancs, ce banc, cette banquette velours noire à 59 euros. La grise aussi. Ah voilà, je savais bien que celle-ci, j'adore celle-ci, elle est très jolie. Bon, malheureusement, j'ai pas le prix. Oh là là, j'ai jamais vu un tabouret comme ça. Tabouret tricot. On a ces lampes à poser LED avec le relief. Elles existent en transparent, transparente, celle-ci et celle-ci. Et on a aussi celle-ci sur pied. Celles-ci sont à 11,99€. Celle d'avant, 6,99€. Ah, en ce moment, c'est très à la mode de macramé. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Je sais pas si vous avez vu dans l'onglet communauté, j'ai fabriqué un sorte de cache-pot comme ça en macramé. Et au début, c'est compliqué à comprendre parce qu'il y a des nœuds, faut passer en dessous de la boucle, une boucle, deux boucles, etc. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, franchement, c'est assez simple. 9,99€, on l'a en noir ou en beige. Alors ça, je vous les avais déjà montré, hein, c'est sur le thème Afrique. Le petit vase africain, 5,49€. Ah, celui-là, je ne voulais pas montrer le photophore. 2,99€ le photophore. On en a un autre là, 1,99€. Le vase avec les pompons, 3,99€. On a cette coupelle aussi en forme de feuille à 9,99€. Plateau déco, 7,99€. On a des chaises marquises à 99,99€. Les statues bulldog argent ou doré, donc argent, elle est là, doré, 34,99€. On a un miroir gypsy à 11,99€, donc il est comme ça. Donc je sais que vous êtes beaucoup à aimer le doré, donc là avec les reflets et tout, c'est vraiment sympa. On a des petites décos aussi, c'est sympa à mettre sur les portes ou aussi sur les, vous savez, sur les clés. Des portes, si vous avez des portes avec des clés, ça peut être sympa aussi de mettre ça. 3,99€. Après, on a les plaques, plutôt cuisine. Il reste que cuisine, 1,49€. On a aussi le petit miroir corde en forme de nuage. Pour moi, c'est un nuage. Hein. 4,99€. Tiens, une étagère en forme de cœur métal noir avec donc deux petites étagères. Pour y poser éventuellement des petites bougies, etc. Et en même temps, on peut y mettre trois photos. C'est 14,99€. On a un miroir ovale comme ça aussi doré, 4,99€. Alors, il y a marqué que c'était un miroir, mais moi, pourquoi pas l'utiliser en plateau, tout simplement. Ouais, ça peut être pas mal. Je vous ai déjà dit, hein, n'est-ce pas Kumba? Il faut détourner les choses. Faut pas s'arrêter à l'étiquette. Et c'est vrai que oui, après,
faire attention que ce soit pas trop fragile, enfin voilà, surtout si vous émettez des bougies, etc. Mais ouais, je vous vois ça bien comme, comme petit plateau déco. 4,99€. Après, il existe aussi de cette forme. Alors du coup, en plateau, oh, j'aime moins, mais pourquoi pas. On a un miroir rond avec le contour en bois, un peu de métal noir et la petite anse en cuir noir. 7,99€, il fait 30 cm de diamètre. Il existe aussi en 25 cm à 6,99€. Tiens, on a une boîte à montres. Alors moi qui range mes montres dans une boîte à bijoux standard, ça peut être sympa, 12,99€. On a des assiettes, dessert faïence, jungle. Alors c'est 2,49€ la petite et c'est 3,99€ la plus grande. Alors c'est vrai que on voit très souvent plutôt ces assiettes plutôt en plastique recyclable, on va dire ça comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle la matière. Mais là en faïence, elles sont vraiment très jolies, 2,49€. Pardon, 3,99€ la grande et 2,49€ la petite. Alors je sais aussi que vous êtes beaucoup à aimer le velours en ce moment, c'est une des tendances. On a les cadres à 3,99€. Il existe aussi en gris. Et après, côté velours, vous avez les plateaux avec le fond velours. Après, oui, je ne suis pas convaincue du fond velours. C'est vrai que ça peut être sympa si... Merci madame. Donc justement, j'ai discuté avec la dame qui me disait pareil. C'est vrai que voilà, il suffit de mettre un verre d'eau ou quelque chose comme ça. C'est plutôt même une bougie. Bon, je suis pas trop aussi dans un photophore, évidemment. Voilà. Donc sinon, si vous aimez, vous avez le droit d'aimer. Hein. c'est 5,99€ le petit et 6,99€ le grand. Alors moi, ce que j'aime et tout, c'est que des fois, je vous donne mon avis. Et puis après, je vois que sur les groupes, vous partagez des trucs super beaux, vos créations. Puis après, je me dis, ah oui, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, moi, ça, je vois plutôt ça dans une chambre, donc sur la table de chevet, vous savez, pour y poser une montre, etc. Vous voyez, mettre un sorte de vide-poche. Ouais, ça s'appelle comme ça, vide-poche. En fait, du coup, je faisais ma vidéo et la dame qui était là pensait que... Parce que des fois, je parle au téléphone, donc la dame pensait que je parlais. Puis comme je vous ai dit, tendance velours, elle a dit « Non, moi, j'aime pas du tout le velours. Je suis plutôt tendance... » Donc, je lui ai demandé quelle tendance elle était. Elle m'a dit plutôt tendance vannerie. C'est vrai que la tendance vannerie, c'est une autre tendance. Et de toute façon, il y a tellement de tendances. Après, c'est chacun vraiment par rapport à ses goûts. Et heureusement, c'est ça qui est bien. C'est que de nos jours, on a tellement de tendances. Voilà, elle m'a montré des petits paniers. C'est vrai qu'ils sont beaux. Hein. Les paniers sont à 9,99€. Voilà, tout ce qui est vannerie. Donc, sac à main, balinet, 24,99€. On a le panier déco. Ou à accrocher. Hop. J'ai vu pas mal de déco aussi. Vous avez mis aussi des sets de table comme ça au mur. C'est juste magnifique. On a un plateau. Il est... Mais c'est pas un plateau, voilà. Voilà. Mais bon, j'ai envie d'en faire un plateau. Alors, ça me faisait bizarre qu'il y ait des séparations. En fait, non, c'est une étagère. Tout simplement à 24,99€. Alors là, il y a une petite offre. Je pense qui est assez sympa. C'est miroir coiffeuse avec deux tiroirs. C'est mini, hein. Mais voyez, vous posez ça. Si vous avez une simple petite table, vous n'avez pas vraiment de coiffeuse, vous posez ça au milieu, ça fait une petite coiffeuse sympa. Donc avec les deux tiroirs, et c'est 10€. Voilà, si sur votre commode par exemple aussi, si vous ne pouvez pas avoir de vraies grandes coiffeuses, je trouve que 10€ c'est intéressant. On a la table de chevet là qui est plutôt pas mal à 39,99€. Avec les pieds dorés, le tiroir là, la poignée dorée. Et on a le chiffonnier aussi à 79,99€. Alors il y a le miroir qui est vraiment trop beau, mais je ne trouve pas le prix. Il est vraiment sympa. Pareil, hein, posé sur une commode, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une coiffeuse, il est sympa. Lampe à poser, justement, hein, on parlait de vannerie tout à l'heure. Il est à 49,99€. On a aussi la suspension à 29,99€. Elle est là. Si vous avez un grand salon, je vois bien avec des murs blancs, je trouve ça trop joli. Allez, on va voir ce qu'ils ont d'autre comme... lampe, on a celle-ci, alors je pense 59,99€. Tiens, on commence aussi à voir les convecteurs. On a celui-là à 12,99€ et celui-là
Donc à part vous dire celui-là, il est écrit 2000 watts, 29,99. Je ne sais pas, j'espère pas vous donner une mauvaise info, mais moi je sais qu'au niveau du chauffage, ce qui est bien aussi, c'est les radiateurs à bain d'huile. Voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que là, comme ça, vous en dire plus, ça ne me vient pas en tête. Mais voilà, après on a le chauffage soufflant, ça c'est très bien par contre dans les salles de bain et tout ça. Donc il est à 9,99, il fait 2000 watts. Tiens, juste à côté, on a les abat-jour, ils sont à 10,49€. Donc il y a gris, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rose aussi. Ils font 40 cm de diamètre. Donc ça, si vous avez déjà un pied de lampe et que vous avez envie de changer de style ou de couleur, ça peut être sympa, hein. Pensez-y, parce que des fois on a une lampe sur pied, à la force de la voir, on la trouve plus jolie, alors que si elle est encore jolie, mais chez soi, bah voilà, on en a, excusez-moi du terme, juste marre de la voir. Pensez à changer juste le bas-jour. On a les tables aussi d'appoint à 9€ en métal. On a une autre table en verre, elle est sympa celle-ci. Même pensez aussi dans les chambres d'ado. Je sais que dans les chambres d'ado, on a souvent ce style comme ça là. Et ça peut être sympa, 10€. Quand je vois des. Je suis sûre que vous êtes comme moi. Des fois quand je vois des trucs comme ça intéressants, surtout à très bas prix, je suis en train de me dire mais où est-ce que je peux la mettre? Où est-ce que je peux la mettre? Puis après finalement je trouve pas et bah, je m'en vais. On a cette lampe aussi à poser qui est vraiment très sympa, un peu je dirais orientale. Et si vous aimez ce style-là, il y a la suspension. Donc pour mettre au plafond à 29,99€. Donc il y en a une là et elle est vendue bien sûr avec tout ce qu'il faut pour la mettre au plafond. Et du coup j'ai retrouvé l'abat-jour, la lampe, la trépied, elle est à 69,99€. Alors j'ai été faire un petit tour dans le rayon enfant et je vois qu'ils ont des longs coussins de sol à 29,99€. Ça doit être trop sympa pour les enfants. Donc il y a du gris et il y a du bleu. On a aussi cette couleur. Alors vous demandez souvent comment refaire votre cuisine sans trop dépenser. Alors il y a une chose que je sais, c'est au niveau du carrelage, mais c'est valable aussi dans les salles de bain. Il faut acheter des carreaux comme ça. Donc alors il faut regarder les tailles, je sais qu'il y a plusieurs. Ceux-là c'est des 15 par 15, c'est 2,49€. Il y en a 6. Donc au lieu de refaire votre carrelage, il faut juste nettoyer les joints. Donc il y a des très bons produits aussi pour ça. Tiens, il y a ceux-là aussi. Ceux-là, je ne les ai jamais vus. Donc un peu effet bois, donc hexagonal. On les a aussi comme ça. Tiens, il y a ça que je ne connaissais pas aussi. C'est carrément 4 carreaux les uns à côté des autres, donc en fait c'est un gros carreau. Donc on peut, je pense, les découper si on a envie de les redécouper ou les mettre les uns à côté des autres. C'est 3,99€ l'unité. Donc c'est imperméable, hein. Imperméable, modulaire. C'est surtout aussi, voilà, si on n'a pas envie, on n'est pas très bricoleur, etc. Ça peut être une solution. Tiens, les petites décos là. 7,99€, il y a princesse. Amour, baby, mojito, apéro. Alors ça c'est plutôt je pense dans la cuisine, apéro, miam, café. Donc c'est 4,99€ ceux-là, les plus petits. Et pareil, hein, mettre ça voilà, sur le mur de votre cuisine, ça donne un petit truc en plus. Il y a le mot aussi en bois cuisine. Jardin. Il y a des petites pensées comme ça, carpe diem, dream, bonheur. Alors il y en a 7,99€, 6,99€ ou 5,99€, je ne vous ai pas détaillé à chaque fois. Bon, en tout cas, ça va de 4,99€ à 7,99€. Ce soir, je vous parlais justement de nettoyer les joints de carrelage et tout. On va faire un petit tour dans ce qu'ils ont comme produit nettoyant. On a du bicarbonate de soude à 6,99€. On a les petits, 3,99€, cristaux de soude aussi. Alors ça, c'est pour dégraisser, déboucher aussi, il me semble, les cristaux de soude. Acide cétrique, alors des tartres, des taches, élimine la rouille. Alors je lis parce qu'il y a des produits que je n'utilise pas forcément. On l'a en liquide, en gel aussi. Bicarbonate de soude en gel, je ne savais pas que ça existait. 5,99€. Savon noir, cristaux de soude.
Et on a aussi le vinaigre blanc en gel. Alors ça, je connaissais en gel. Alors j'ai jamais acheté ici. Hein, je ne savais même pas qu'ils en avaient, voyez, à la foire fouille. Ça, c'est bien. Comme c'est du gel, moi, je mets sur mes robinets parce que le vinaigre liquide qu'on utilise habituellement, quand on le met, il a tendance à couler. Mais là, j'ai l'impression qu'il agrippe bien. Et du coup, ça détartre encore plus. Donc le vinaigre blanc, il est à 2,99€. 4,99€. Savon noir en gel, 5,99€. Donc voilà la fin de cette vidéo à la foire fouille de Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc j'espère que vous avez aimé, moi j'ai aimé la tournée. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Alors oui, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et puis de mettre un pouce du sens que vous voulez. Du moment que vous exprimez, c'est le principal.